Salut à toutes et à tous, c'est Nayans aujourd'hui pour un tutoriel comment commencer du niveau 1 à 200 tout en se faisant des kamas et devenir riche. Bon, moi sans vous mentir, si vous faites sans acheter de kamas et que vous faites vraiment dans l'utile, c'est-à-dire que vous n'allez pas passer du temps à acheter des trucs cons ou à faire le glandeur. Je pense que pour monter niveau de ça, il vous faudra au minimum un an si vous êtes bon. Franchement, ouais, un an ce sera pas trop mal. Donc on va commencer directement par comment on appelle ça? Par commencer niveau 1. Donc niveau 1, je vous conseille de faire un personnage qui vous plaît. Et si vous ne savez pas trop quoi prendre, prenez un personnage qui pourra XP seul ou qui pourra être utile en team. Voilà, donc je pense à un Fekka qui peut XP tout seul ou un Panda qui peut être utile, un Nenni, etc. Donc vous allez commencer. Moi, ce que je vous conseille d'entrée, c'est direct de commencer par un petit. Comment on appelle ça? Un petit métier. Donc vous allez faire. Les métiers qui s'offrent à vous. Donc moi je vous conseille de faire mineur ou paysan. On va voir pourquoi. Donc si j'arrive à y aller. En fait, tout simplement, mineur rapporte beaucoup. Vous voyez à peu près les prix. Donc au début, c'est sûr, vous n'allez pas vous faire des millions et des millions par jour. Mais il y a moyen, en faisant du fer, de se faire, je sais pas moi. Dans les 5 000 au début, je pense, par jour, voire plus même. Franchement, il y a moyen de faire plus. Alors, le seul problème, ce sera vos pods. Donc, privilégiez soit un personnage qui sera terre, soit je sais pas. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de faire ça. Ensuite, pour XP, donc moi je vous conseille de monter niveau 20 tant bien que mal comme vous pouvez. Avoir une panneau terre pod ainsi que votre panneau pour XP. Mais bon, voilà. Donc, le plus utile, ce sera de. Merde, pourquoi je regarde ça? D'aller voir les succès de niveau 1. Voilà, vous tapez à peu près tous les succès que vous pouvez faire. Donc à l'aide d'autres amis. Donc vous allez pouvoir aller avoir pas mal de points de Kama déjà de base, mais ainsi que des points de succès qui vous permettront de débloquer d'autres succès. Voilà, donc il y a des trucs pas trop mauvais à faire ensemble, à jouer à deux. Donc c'est cool si vous faites une team à plusieurs et que vous n'êtes pas pressé. Donc le but, ce sera surtout de monter votre métier niveau 100, parce que si vous jouez seul, j'ai bien dit seul, il n'y a que ce moyen de se faire des kamas, c'est-à-dire les métiers quand vous êtes monocompte. Voilà, donc jusqu'au niveau 50, débrouillez-vous pour XP. Donc je pense qu'il y a les bouts pour XP. Il y a d'autres zones, les donjons, etc. Et lorsque vous êtes 50, moi je vous conseille de vous mettre une panneau XP à plus de votre panneau combat et de faire. De tout simplement vous faire muler. Je pense qu'il y a. Dans ce jeu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles commencent, essayent de rester le plus belle possible. Donc au final, je vous conseille de faire ça. Mais tout en ayant vos métiers. Donc si vous avez bientôt avec la mage métier, ce sera beaucoup plus simple de monter tailleur, paysan, etc. pour avoir un maximum de pods. Et donc je vous conseille d'acheter des panoplies. Donc quand vous êtes au début, donc jusqu'au niveau 60 on va dire, d'acheter des items comme par exemple une panoplie aventurier. Donc si vous faites quelques kamas, je pense qu'il y a moyen de se crafter, de se l'acheter, ce panneau aventurier, dès la première journée de farm métier, je pense, si vous êtes bon. Il y a moyen de s'acheter une cape de l'aventurier. Même si des fois peut-être il peut y en avoir des over vita ou quoi, ça peut être utile. Donc voilà, donc je vous conseille d'entrer la panneau aventurier qui est très très bien pour ce qu'elle fait. Donc voilà, donc pour avoir un bon jet, bon voilà, c'est à vous d'aller voir au plus utile. Donc si vous avez besoin de vie, etc., vous prenez over, mais sinon prenez votre élément sagesse, ça sera toujours très utile. Voilà, donc une panneau full aventurier parce que le bonus panoplie donne 40 partout, ce qui est non négligeable. Et voilà, donc après, je vous conseille de faire peut-être des petites quêtes. Ça peut être sympa, ce jeu, comme ça vous le remplissez petit à petit. Au niveau des quêtes, vous pouvez vous taper tout ce qui est quête Astrub par exemple.
donc moi que j'ai déjà fini, qui peuvent vous rapporter pas mal d'XP, peut-être quelques kamas et vous apprendre un peu le jeu. Voilà. Donc toutes les quêtes, il y en a pour pas mal d'XP. Vous pourrez commencer les quêtes principales, mais je pense pas qu'il y en ait à Astrub. Et puis voilà, donc après, franchement, vous faites un métier, franchement, à ce niveau-là, vous n'avez pas besoin de 2 millions de kamas pour vous stuffer. Du coup, au final, mineur, ça peut vous rapporter. Donc après, ce qui peut être bien aussi, c'est de faire paysan et de monter paysan boulanger. Donc avec la mage, on pourra faire les deux. Par exemple, vous allez pouvoir vous faire du pain et vous faire pas mal de kamas. Donc après, une fois niveau 70 et que vous en avez un peu marre de farmer, donc je vous montre un peu les prix en même temps. Par exemple, le pain d'échange là qui coûte 21 000 kamas, donc je pense que les gens prendront des pains aux céréales. Mais allez au plus aimant, sachant que les pains, enfin il y a moins de bottes, du coup il faut prendre pas mal de kamas. Donc là, franchement, ça rapporte. Moi, je sais que mon frère le faisait, il se faisait quoi, je sais plus combien par jour. C'était une belle somme. Et puis au début, franchement, si vous farmez bien les kamas et tout, voilà. Avec le nouveau système de pare-chaud, moi je vous conseille, si vous pouvez, de faire les doppels assez souvent. Donc ça peut vous aider à XP. De plus, avec les succès doppels, vous débloquez des doplons. Donc toujours avec les succès, ça va aller très vite. Donc pas cela de doppel, mais je vous parle bien des doppels ici. Donc déjà, le fait de vaincre les doppels va vous donner des points de succès, de l'XP et pas de kama, mais des doplons. Et moi, personnellement, je vous conseille de vous faire une fois les doppels par jour avec votre personnage, soit pour revendre les parchemins, mais moi, je vous conseille quand même de faire vous-même vos parchots. Donc c'est-à-dire que là, vous allez en profiter. Oula, attendez, moi, je vais aussi profiter aussi. Il est par chaud combien? 85, il m'en faut 15, 7, 7, 7, 7, j'en ai 3, ok, 1, 2, 3, 4, voilà. Je vous conseille de vous parchoter petit à petit parce qu'on a, j'ai donc apparemment, maintenant vous pouvez mettre des parchemins de sort. De caractéristiques, même si vous avez monté votre, par exemple si j'avais monté la chance, j'aurais pu finir mes 100 parchots après, ça. Avant, on ne pouvait pas. Donc, je vous conseille de vous parchoter parce que, en fait, plus vous allez vous parchoter, etc., plus vous serez niveau. Plus vous montrez les niveaux, moins vous aurez de trucs à acheter. Par exemple, si vous montez un personnage directement niveau 180, vous devrez acheter ces items, ces parchemins, tout à partir de rien ou d'une panneau XP. Donc, franchement, ça fait mal. Après, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est soit vous faites vos métiers pour crafter vos items, pour acheter les items, soit vous allez crafter vos items parce que franchement il y a moyen d'économiser aussi des kamas, mais bon à ce niveau là ça vaut pas le coup. Voilà, donc après quand vous montez de niveau vous pourrez toujours comment on appelle ça, acheter par exemple une panneau bouffe tout avec des jets sympas pour pas cher qui vous feront des pods. Donc voilà, au niveau des pods il y a moyen d'avoir des trucs pas trop chers. Et le truc pour XP, ben, à l'ancienne, vous n'aurez qu'à mettre. Non, pas la coiffe du Goultar, mais. Putain, mais elle est où? Ah, d'accord, je suis qu'à niveau 33 en fait. Voilà, la coiffe du Prespic, donc ça peut être aussi une technique Kama d'aller se les crafter et de les revendre parce que vu les prix, ça vaut le coup. Voilà, donc après vous pouvez passer sur des anciennes panneaux comme la d'Angoul et la Dora, etc. où tout le monde a dû connaître, ou peut-être n'a pas pu connaître, franchement, c'est vrai que ça peut être délicat. Donc je vous conseille de monter assez rapidement. Vous pouvez vous aider avec un signe du chevalier d'Astrub. Donc le chevalier d'Astrub là, il est où ce bordel? Là, il n'y a pas de condition. Il faut être niveau 10, donc voilà, à partir du niveau 10 vous pouvez avoir un multiman qui vous aide. Donc franchement il y a de quoi monter vite. Pour le reste, donc je vous conseille de farmer vos métiers, comme ça vous les aurez. Et de toujours remplir les HDV, stocker, ne vous arrêtez pas parce que l'HDV est plein. Moi je vous conseille de stocker, à chaque fois vous allez en rajouter. Et jauger bien entre XP et faire des kamas. Donc là par exemple, admettons vous êtes niveau 20, vous n'avez pas votre panneau bouffe tout, ben moi je vous conseille
d'arrêter d'XP, de faire vos commas, d'acheter votre panneau Vovtou et ainsi de suite, pouvoir jouer. Donc voilà, donc après, jusqu'au niveau 60, c'est à vous de choisir vos stuff, parce que moi je peux pas trop vous conseiller sur ce genre de choses. Vous allez sur YouTube, vous tapez. Comment ça s'appelle ? Vous tapez votre. Comment on appelle ça ? Votre race. Et votre race, vous tapez, je sais pas moi, Rouplard niveau 60 feu, et donc vous voyez à peu près les éléments. Et vous prenez celui qui est mieux. Donc voilà, après, franchement, au niveau, voilà, si vous vous parachutez petit à petit, que vous arrivez niveau 150, vous êtes 100 partout au final, ben vous avez gagné vraiment beaucoup de kama déjà et de temps. Prenez du plaisir à jouer 150 dans les 100, enfin 60 pardon, parce que au final ben là ouais, vous allez devoir XP, de toute façon vous allez vous faire muler. Si vous n'avez pas le temps d'être mulé, moi je vous conseille de faire des pauses kama, peut-être en faisant les devoirs. Vous allez faucher, vous allez cliquer sur plusieurs lots et faire vos devoirs, etc. Et voilà, donc je pense que le meilleur truc à faire, c'est ça. Après, essayez de trouver une guilde qui, en fonction de vous, peut vous aider. Trouver un groupe d'amis, peut-être IRL ou IG pour aller XP. Et voilà. Donc après, donc on fera une deuxième partie sur ce tutoriel pour... ben en fait, peut-être que la série va se diviser en deux pour quelqu'un qui va jouer monocompte ou quelqu'un qui va jouer justement multicompte pour se faire des kamas. Chacun son choix. Moi, personnellement, j'ai choisi de faire... le multi-compte, mais vous pouvez tout aussi bien faire du mono-compte, ça marche très bien, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, j'imagine que les trois quarts des personnes qui vont voir cette vidéo vont, enfin, n'auront pas trouvé bonheur, c'est-à-dire que là, bon, la majorité des joueurs de Dofus savent jouer maintenant, mais c'est vrai que les gens peut-être ne savent pas très bien jouer efficacement. Donc je vous invite à mettre un j'aime et à me suivre sur Twitter @nayagaming. Moi je sais pas quoi dire de plus, donc on fera d'autres tutoriels. Je sais que vous aviez aimé comment montrer sa team de 130 à 200 en devenant riche. Enfin, je sais plus ce que j'avais fait, mais ça avait été un succès. Du coup au final j'essaye d'en refaire une, mais en partant de zéro, et peut-être que je compléterai l'autre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.